ce matin, cheveux approximatifs aussi, mais je vous prends, on est le lundi 16 janvier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon Thésée fête ses 5 ans. Joyeux anniversaire à Boubouille! Bref, je vous prends, il est 7h47, je suis en train de mettre les décorations en pâte à sucre sur les gâteaux de l'école, je vous montre ça, en fait, Paul a fait de la pâte à sucre maison, et hier, il l'a bien aplati, j'avais fait un patron de licorne en carton, et du coup, on a fait des silhouettes de licorne, regardez. Du coup, je vais vous montrer ça. Et après, quand je les emmènerai à l'école, j'emmènerai les gâteaux au passage. Let's go. Bon, voilà ce que ça donne, du coup. C'est trop mignon. Alors, voilà ce que ça donne une fois terminé avec la décoration. J'ai un peu abusé sur les petites étoiles, mais comme ça, c'est vraiment féerique, c'est mignon. J'adore, j'adore. Recoucou, je vous reprends, il est 9h, je suis rentrée de l'école et j'ai fait une petite course à Lidl. Et il faut que je vous explique un truc trop mignon. En fait, il y a des bouquets à Lidl des fois et ils les mettent à 1€ ou quoi. Donc là, il y avait ce bouquet à 1€ qui est vraiment trop beau au lieu de 9,99€. Donc je me suis dit, j'allais le prendre. J'en voulais un deuxième et la dame m'a dit non, en fait, là, c'est ce bouquet-là, c'est que, enfin, le bouquet c'est que 1 par personne. Et moi, j'avais craqué sur celui-ci aussi. Du coup, il y a un monsieur qui est venu me voir après et il m'a dit donnez-moi votre pièce d'1€, je vais aller vous le prendre et tout. Ça coûte rien de le faire pour vous. Et puis comme ça, vous aurez vos deux bouquets. Du coup, merci à cet inconnu vraiment qui juste. L'a fait par gentillesse, il me l'a dit lui, il m'a dit ça me coûte rien à part d'être gentil et de faire un petit sourire et puis vous êtes content, tout le monde est gagnant et voilà, du coup j'ai mes deux bouquets de fleurs, je vais pouvoir en faire un beau énorme pour ma table, donc je suis très contente. J'ai été prendre des macarons pour Boubouille, du coup j'ai pris deux boîtes, j'ai pris chocolat, citron, vanille, framboise et ceux-là qu'on n'a jamais goûté, noir, chocolat noir intense, spéculoos, mandarine et praliné. Voilà, j'avais promis qu'à son anniversaire il aurait des macarons à la maison. Ensuite, dans les gaspillages, là, ils ont mis à 20 centimes un Buddha bowl vegan. Donc, je l'ai pris pour Paul. Et moi, je me suis pris, du coup, le je sais pas si c'est un Buddha bowl ou un veggie bowl, mais chèvre boulgour que j'avais adoré. Voilà, pour 20 centimes également, je me suis dit, on va faire plaisir. J'avais un truc de boulangerie offert. Du coup, j'ai pris une petite pizza comme ça, fromage, pour Boubouille. C'est son anniversaire. On avait promis qu'il y avait une petite pizza fromage. Et ça, c'est pour ma mamie qui passe me voir tout à l'heure. Du coup, j'ai pris des petites truffes comme ça au chocolat noir. Et pour finir, j'aurais pris une grosse brique de jus de papaye. Voilà, je vais aller ranger ça. Et je vais prendre mon petit déj. Bon, la table, la nappe n'est pas encore changée et tout. Mais voilà ce que donne le gros bouquet. Il est très mimsou. Et là, du coup, j'ai fait un mini bouquet comme ça, que je trouve mims aussi. Puis ça habille un petit peu ici. Du coup, les garçons sont rentrés de l'école et on va donner les cadeaux à Thésée. Comme ça, là, on est bien tous les quatre. Du coup, on se dit que c'était mieux. Comme ça, il les a aujourd'hui. Et il y en restera. Il restera suite tantinette, grand-ma et grand-pa, qu'il aura du coup sa fête d'anniversaire. Voilà. Du coup, pour commencer, celui-là. Comme ça, tu pourras t'en servir dès aujourd'hui. C'est pour mettre dans le bain. Et ça change les couleurs. Et regarde. Quand tu le mets dedans, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Wow. Ça va te faire un arc-en-ciel dans le bain. C'est bien ça? Parce que Thésée, il a dit, il aime bien les arc-en-ciel. Comme Thésée, il a dit, il aime bien les arc-en-ciel, maman, elle a aussi trouvé ça. C'est de la part de papa et maman, les cadeaux. Hein. Est-ce que ça peut bien être? Oui, c'est ça que j'avais oublié de te citer. Et je pense que tu vas comprendre... Des nouveaux crayons de couleur. C'est des stylos feutres à paillettes pour écrire dans ton carnet à paillettes. À paillettes? Tu me les montres? Bravo! J'adore! Ça te plaît? Oui. Oui. Ensuite, ça. Ça, c'est toi qui en as demandé. Je me demande bien ce que c'est. J'espère que ceux-là vont te plaire parce qu'on les a bien choisis. Mais c'est toi qu'on a demandé. T'as dit, maman, je veux des nouveaux. Des nouveaux DVD. Waouh! Oh, un chariot de phrase et un petit poney.
Oui, et ça, c'est le mariage royal. Avec cette reine que j'adore. Voilà. Attends, Zé, tu veux la regarder un petit peu plus? C'est une méchante que j'adore. La méchante comme ça. Ça aussi, t'en avais redemandé. Attends, bah, tu lui donnes, vas-y. Ça, t'en avais redemandé. Papa et maman, ils se sont dit, bon, allez, d'accord. Ça et qu'il n'en a pas beaucoup, oui. Oui, mais c'est pas les mêmes. Oui. Il y a des glosses, du fard à paupières pour tes yeux et des nouveaux vernis. Oui. Ça te plaît? Oui. On les ouvre juste après? Ça. Ouais. Aussi, tu vas pouvoir t'en servir aujourd'hui aussi, c'est pour ça. C'est un géant. Un gros bonbon. Oui. T'as une couverture poney que pour toi? Oui. Et ça, du coup, c'est pour dans le lit, avec la couverture poney. Tu vas voir, tu peux t'en servir que dans le noir. Enfin, tu peux t'en servir dans la journée, mais c'est mieux dans le noir. Si tu veux, je vais te montrer comment on fait dans la chambre, là. C'est quoi? Ouais, les petits bonbons, on les enlèvera, mais viens, je vais te montrer dans la chambre. Il est 17h30, j'ai fait un montage vidéo, je l'ai mis en ligne pour ce soir, on va voir s'il est bien upload, je vais vérifier. Ensuite, vu que j'avais tout rangé et tout, j'ai vu ma mamie, les enfants ont bien mangé ce midi, je suis désolée, j'ai pas beaucoup vlogué, du coup j'étais trop contente de voir ma mamie. Et après j'ai enchaîné, j'ai fait des TikTok, j'ai préparé du contenu pour mes réseaux sociaux, des photos, petites vidéos, tout ça, donc je suis trop contente. Et là les bébés sont rentrés de l'école et du coup avec Thésée on va... Pardon, redis-le. On va jouer au Uno pour l'anniversaire de Bouille, voilà. Bah, j'ai pas fait un gâteau d'anniversaire pour ce soir. Ils étaient bons d'ailleurs les gâteaux d'anniversaire licorne à l'école? Est-ce qu'ils étaient bons les gâteaux? Les copains les ont trouvés bons? Et puis ce soir nous on a des macarons. Mais c'est l'heure de la fête. Non mais les macarons c'est pour ce soir. Mais c'est pour nous. Si les macarons c'est pour nous. Mais et pour la fête d'anniversaire on en rachètera. Mais vu que cela c'est pour la fête. On rachètera les mêmes pour la fête chérie. Bah voilà. Du coup ce soir on mange des macarons. Oui, parce qu'il m'avait expliqué tout un programme et j'avais pas tout retenu, du coup il était un petit peu contrarié. Quoi? Eh ben regarde, c'est encore à moi de jouer. Jaune. Jaune. Doucement. Du coup on a mis son nuage mais il était tout effrité en fait, quand on l'a ouvert il se cassait de partout, donc on verra bien, mais là du coup ça fait bleu pour l'instant. Wow. Du coup regardez, ça fait plein de petites couleurs avec le bleu. Ça c'est un boubouille avec son pyjama My Little Pony et son nouveau plaid. Je vous avoue le plaid il est trop beau, je suis un peu jalouse, moi qui adore les My Little Pony, je pense que je vais me l'acheter pour le box. Il est vraiment trop beau. Et du coup Thésée qui mange son dessert de fête, c'est quoi? Des macarons. Et regardez à part le doda. Voilà. Ça c'est au citron. Il a choisi citron, framboise, mandarine et chocolat pour ce soir. Pas chocolat. Il adore ça, hein. Oui, maman, je pourrais monter les autres. Bah, t'es pas obligé de montrer le dedans, mais regarde, tu peux les montrer si tu veux. Là, les cupcakes, ils voient. Donc ça, c'est mandarine. Moi, j'ai jamais goûté de ma vie, mandarine. Ils sont trop fous, hein. Voilà, Thésée, c'est vraiment, c'était son vœu d'avoir des macarons. Bon. Attendez, je crois que je vais mettre... Oh, on peut jouer à deux, j'avais oublié. Bref, comme vous pouvez entendre, j'ai mis en fait le DVD des Urbs, enfin le CD des Urbs, sachant que j'ai pas de carte mémoire, donc ça sert à R ce que je vais faire, parce que du coup, bah, je pourrais pas les enregistrer, donc voilà. Mais c'est pas grave, parce que j'ai envie d'essayer un peu, ça fait longtemps, comme ça je me pose un peu de la console. Comme ça, là, je vous prends un petit peu. Thésée était très contente de sa journée d'anniversaire, c'était la meilleure journée de la Terre. Là j'ai rempli les invitations, comme ça on n'aura plus qu'à les donner demain. Désolée, j'ai fait ça, j'ai mis un reflet, en fait c'était mes lunettes. Enfin, c'était un reflet dans les lunettes, bref. Arrêtez de me liker en Instagram les gens. Je rigole. Voilà, du coup aujourd'hui comme je l'ai dit, j'ai surtout fait du contenu sur les réseaux, enfin pour mes réseaux, oula.
J'ai mangé 3 mozzarella sticks en guise de dîner. J'ai mal au vide. Bref, du coup, je disais, ouais, j'ai fait des photos, des TikTok, des vidéos, je fais plein de trucs. Si vous me suivez pas sur TikTok, n'hésitez pas à y aller. Là, j'ai reposté, j'ai encore pas mal de brouillons à poster, donc ça, c'est cool. Et voilà, j'ai avancé sur mon montage, mon ménage, j'ai bien profité de voir ma mamie, ça m'a fait trop plaisir. Voilà, voilà quoi. Une journée basique, mais une bonne journée qui avait bien commencé avec ce petit monsieur, le bouquet de fleurs, tout ça. Non, une belle journée. En plus, j'ai pas mal parlé avec Chat, ça m'a fait grave plaisir. Ouais. Je sais pas que dire de plus, genre ma journée était plutôt bonne. Je suis un petit peu anxieuse, mais aujourd'hui j'ai pas rejeté ce que j'ai mangé. Donc c'est déjà cool. Voilà. Je suis contente. Ça fait un jour et demi. Ah non, samedi j'ai rejeté. Dimanche aussi je crois. Bon, ça fait déjà une journée complète, c'est déjà bien. On va y aller petit à petit. Et voilà. Demain il faut que j'appelle mon médecin aussi pour savoir si elle a reçu mes résultats et si c'est de l'anémie ou pas ou quoi qu'est-ce. Comme ça on voit ce qu'il y a à faire. Je crois que c'est tout pour le moment. Du coup, je vais vous laisser là. Je vous montrer vite fait un peu les urbs et vous souhaiter bonne nuit. Ça vous va? Bye! Wow!